Danielle aussi, parce que ce qu'elle fait est formidable. Je sais que ce n'est pas évident de, pour se démarquer dans ce monde où il y a énormément de compétition. Alors ce qu'elle a fait, c'est unique. C'est vrai, de faire un défilé comme ça pendant Cannes dans les rues, c'est super. Et qu'est-ce qui vous plaît dans son travail? J'aime comment elle peut mélanger les matières. Elle peut sauter d'une couleur à l'autre, de vraiment faire des choses différentes, c'est bien. Et puis elle se rend les femmes encore plus jolies. Et c'est un don. Alors pas trop dur ce défilé en pleine croisette au milieu de la foule avec 30 gardes du corps? Non, moi j'étais bien parce que j'étais accrochée à mon garde du corps. Maintenant il faut demander les filles comment ça a été pour elles. Parce que c'est vrai que ça glissait, il y avait un peu d'eau par terre. Alors non, mais je pense que personne n'a tombé, alors tout va bien. Elle est jolie Adriana, non? Oui, ce matin. En tant que personne handicapée, dans la mode, comment fait-elle, j'ai envie de dire? Justement, je pense qu'au début, après ce qu'elle m'a raconté, c'était pas si évident que ça. Mais je pense que justement, c'est son courage et son dévouement et son talent qui lui a permis d'être ici aujourd'hui parmi nous. Alors c'est super, vraiment. Une belle continuation et courage. J'aimerais bien en revoir l'année prochaine. Cannes, du coup vous y restez pas longtemps, alors mais... C'est toujours pareil, c'est très hectique, c'est très rapide, mais c'est tellement beau et il faut que ce soit comme ça. Moi j'aime bien comme ça, il faut que ça reste comme ça, rapide, bon, efficace. Mais ça vous plaît quand même Cannes? Moi j'adore, mais je dis, je vais monter les marches mardi, alors j'ai hâte. Some friends, some hoes, but no, I goes nowhere, this hole.